Do you want to talk? Nothing to say. We need to stay focused on what we're doing. I know we can't just take a minute, but you're not a machine. Look, Lee, this is a shitty time, but I want to clear something up. What is it? Now with Kenny gone, means Omid and I have to stay safe. For her. You guys would be great for her. Keep her safe. We'd do our best. You know that. Are you okay? I should be asking you that. Before, in the attic. It's nothing. What's nothing? Let's just keep moving. Fuck! Be careful across here. Hello à tous et toutes et bienvenue sur frappestesjeux.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de la frappe solution de The Walking Dead sur PC. On s'occupe ici du cinquième épisode. D'ailleurs, nous en arrivons presque à la fin et devons traverser ce petit pont. Donc rassurez-vous, normalement, il ne s'y passe rien, mais on ne sait jamais. Ah, j'avais pas vu qu'elle avance en même temps que nous, juste en dessous. Bonjour madame. C'est plutôt joli comme vue d'ailleurs. River Street's just up ahead. Whoa, careful. Even the buildings are full. They never know where their next meal is. That's a thing to say. I didn't mean... It's fine. Let's go. Marshall's hotel is around the corner of the block. We have to cross here. Well, at least it doesn't look like a death trap. Who's going first? You're the lightest. He's got a busted leg, and you're walking for two. I'm obviously not doing so hot. Decision doesn't make itself. I'll go first, in case anything happens out there. You sure? Yeah. Just go nice and slow. Almost there. It's an easy crossing. Good. Shit! Oh, fuck! Shit! Are you okay? Fine. I'm kinda fucked here. What are you gonna do? Fuck it. I'm going for it! Going for it? What does that mean? It means I'm already bitten. I just have to push my way through. What the fuck? But maybe you got to it fast enough. Maybe you'll be fine. I can't risk losing more time on a long shot. Let's meet outside of town, by the train. Are you nuts? It's the only way. Do you hear me? Yeah, by the train. Jesus. We'll be there! Mm-hmm.
Et voilà, donc nous avons traversé un petit peu cette horde-là, à savoir, putainément important en fait, ou pas du tout en fait, si on regarde, sachez que si vous avez votre deuxième bras et donc votre deuxième main, Lee s'occupe, enfin se munit d'une deuxième arme qui est un morceau de verre, sur lequel, enfin il va serrer très fort ce morceau de verre, ce qui fait qu'il y aura du sang qui va couler sur sa main, il va se couper, bref, et vous aurez le choix à chaque fois, contrairement à là où j'ai eu une seule possibilité, c'est attaquer au couteau. Donc je sais même pas comment on pourrait appeler ça, exactement un couteau de cuisinier peut-être, je ne connais pas le nom exact. Et quand vous avez votre bras, vous pouvez attaquer soit avec ce couteau, soit avec le morceau de verre que vous avez ramassé. Je pense aussi que vous aurez remarqué une chose, la voiture qui était devant le... Ah, en fait, je vais rien vous dire, je vais vous laisser le découvrir. Je vais faire exprès de choisir la mauvaise réponse. Du coup, enfin mauvaise façon de parler. Got us adjoining rooms. Hello. Okay. This is Sybil. You look horrible. And you're missing an arm. Go over there. Put your things down. Let me out! Who's out there? Quiet, please, sweetie. Your things. There. Just be cool. Do I not seem cool? Good. Go sit down. Do you know who I am? Ah, bah là je vais répondre non, histoire qu'il vous explique. No. I don't know anything about you. You wouldn't. People like you don't. Now you're thinking, who would have it out for me, huh? A few weeks back, there might have been a station wagon in the forest, full of all sorts of food, water, things you need to survive. Yeah, I'm not some cannibal, Lee. Some killer out in the woods. Some villain. I'm just a dad. I coach Little League. I didn't take from you. Your people didn't? I didn't agree with it. That's what Clementine said. Why didn't you? You were coming back. The dome light was on. We did come back. I said we did come back! What do you want me to say? I don't want you to say anything. I want you to know what happened. Have you ever hurt somebody you care about? Yes, of course. Who? Clementine. A girl misses her parents. I'm not them. I hurt her so bad. My son Adam went missing. I took him out hunting even though my wife said he was too young. I figured he had to learn. I came back without him and the look on her face said, "You are a monster." We all went out looking for him. We never found him. I hurt her so bad.
And then we came back, and all our stuff was gone. Your people, Lee. That asshole in the ball cap. His stupid fucking wife. I could have earned her trust back if they hadn't made our situation so desperate. You fucked up. The hungrier we got, the more she blamed me. Until she finally took our daughter Elizabeth and left. They didn't get far. I found them a day later in the road. Do I look like a monster to you? We all do. Some more than others. I'm not like you. You walked a little girl into a dairy full of sick people and let them get their hands on her. It's more complicated than that. You let a boy get yanked out of a window and into the night so you could protect a pretty girl with a gun. It was impossible to save him, to save them both. You brought her to the most dangerous place in this city where she could have died. I couldn't leave her at the house alone. She would have been better off! How could you know all this? You're a monster. You're a murderer and a thief. And I'm gonna hurt you so bad. Just give me Clementine back. I'd rather kill her myself, because that's what will happen if she goes with you. After I found Clementine on my radio, I wasn't even mad at you. I was coming for the others, for revenge. But the more I heard about the things you did, and the danger she was in, our plan changed. Lee, listen to me. I need you to hear this before what happens next. I can take care of her. We can have a family. I bet you don't even know how old she is. She's 8. Wrong. She's 9. But her birthday was 6 days ago. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. Look, I was bitten. You were what? Yeah. I probably don't have a whole lot of time. Wow. Okay, then. No, you're not taking her. Lee. I said no. Hey, honey. I think this is all gonna work out. What are you... I'm glad too. I wish it wouldn't have had to get this bad, but... it's all over, hon. Isn't it? Just about. I hate seeing you like this. I just miss your smile, honey. I miss you so much, Tess. You're gonna like Clementine a lot, though. She's not Lizzie, but she's sweet. She wouldn't hurt a fly. Son of a bitch! Just go away! Die!
It's okay. It's okay. I... Your arm's gone. Why? That's so scary. I had an accident. We'll talk about it somewhere safe. You don't smell good. Yeah, I know. Did he hurt you? No. Not really. I'm sorry, Lee. Clem, it's okay. We need to get you somewhere safe. And then we have to talk, okay? Yeah. Everything's okay now. We need to figure out how to get out of Savannah as fast as we can. Saved me. It's my fault. Everything is dangerous. Like you said. It's okay. You learn. Et voilà. Au revoir, monsieur. Alors, pourquoi avoir refusé qu'il puisse prendre Clémentine ? Hein, parce qu'après tout, nous aurons pu lui dire « Ok, vas-y, même si ça ne peut pas se terminer comme ça, normalement. » Disons tout simplement déjà que je n'étais pas d'accord dans le sens où il a laissé crever sa propre famille, hein, je pense que vous l'avez compris dans ses dires, sans parler du fait que nous avions trouvé mieux, hein, comme famille, Omar et Krista, donc je préfère ça. Le reste, on peut le laisser ici, rien de plus à voir. Vous avez une porte par là, mais on ne peut pas l'ouvrir, hein. Elle vous dira automatiquement la sortie est par ici. Là, il ne faut même pas accéder à cette porte avant. I know. Voilà, et la preuve en est, c'est que ce mec était fou, complètement, quoi. Certes, papa, d'accord, mais fou quand même. Which way out? Through there. Allez, on va sortir. Ou pas. It didn't bite you. Yeah, I know it. Must have. You're covered in all that gross stuff. I had to get through a bunch of them to get here. That's how we'll get out of Savannah. Oh no. Get you cleaned up as soon as we can. Not soon enough. Are you done? A little more. I want to be sure. Just a little more. So gross. There. That should do it. I hope so. And you're missing something. I thought it was gone. I thought you were gone. Thank you. Stay right next to me. Walk very slowly. Don't look around.
And don't panic. Mm-hmm. I'll keep you safe. Je vais me taire à partir de maintenant. Enfin, j'ai déjà juste dans... J'en racontais pas grand-chose, hein. Enfin, je disais pas grand-chose. Ça va être encore pire maintenant. On se retrouvera après la fin. Don't be dead. Please, no! Lee! I was so scared. I thought you left me. I saw my parents. It's a good thing. Lee, they're dead. They really are. But you know, you're gonna be sad for a very long time. But you know what happened to them. Get you somewhere safe, then just let it all out. Okay. Okay. Clementine, we have to get out of here as fast as we can. Well, we can't. There's thousands of them outside. We have to. I'll protect you. We'll push through. No, that's crazy. I saved you. We're safe here. I locked us in. Get that door open. I can't. Do it! It was only a little open when I found it. I closed it to keep us safe. Pull on three. One, two, three! See? Clementine, honey. Arm is gone because I cut it off. Why would you do that? Because I was bitten, Clem. Please, no. That's not true. Yes, it is. It's gonna be okay. You are gonna be okay. We just have to think and work together. Okay. I got you. You can lean on me if you have to. I'm okay. I thought I was helping by bringing you in here. You've just learned, Ella. Never let yourself get trapped. Okay? I won't. We'll get out of here. And just don't do it again. Okay, I won't. I won't. Keep going. We're almost there.
get up, Lee. The door is right here. I can't. You have to. Liam, I can't move. This is it for me here. Please, please, try to get up. I can't. You don't have much time. You gotta do something. Fast. Like what? You're gonna have to make sure I don't turn. You won't, though. Liam, I will. You know what you have to do. No, I can't. There's no way. We'll figure it all out. Don't worry. Just start by getting that door open. It's locked. It's no big deal. It's just a glass window. Ow! Not with your hand. There's a baseball bat under the counter, Clem. You can use that. Use the bat to shatter that window. So you can reach in, okay? Okay. Watch out for broken glass. Good job. Don't be afraid of him, honey. You're smart. He isn't. You're smarter than all of them. He'll get you in there. Don't worry. Doing good. Grab the chair clip. Use it to reach in to the lock. And don't be scared of the walker. You'll be fine. Then, open it. He's trapped. This will be easy then. He's got keys, probably to that door, and everything you'll need. There are handcuffs on the ground. Get them. Okay, Lee. Good. There's keys and a gun. You're gonna need both of those. You have to handcuff the walker. You can kill it easy then. I don't know, Lee. You can do it. Just be careful. Move around the side and jump away if he gets close. Lee. You can do it. Get the gun, Clem. Always the gun. Kill it! You have to kill it! Watch out! Ah!
got him! You can take care of yourself, see? No, not all the time. Yeah, you can. Don't worry. Do anything. But I'm little. That mean nothing. You go see bad stuff, but it's okay. My parents. It's so horrible. I can't imagine, Sweet Pea. And now you. Please. Please don't be one of them. Please don't become a walker. There's only one thing you can do. You know that. I don't know if I can. You have to shoot me, honey. Lee, no. It's okay. It's okay. And Megan, first days we met, do you remember? Yeah, I do. When I went out to rescue that boy, Glenn, we met a girl. She'd been bitten too. All she wanted was to not come back as a walker. Lee? And I remember how hard it was to do that. But I'm glad I did. You don't want to see me like one of them. Okay, Lee. I can do it. I can. Find Domeen and Krista. They're outside of town, by the train. You remember how to get back there? Yes. Good. They'll take good care of you. And Clem. Keep that hair short. I will. I'll cut it myself. Great. Good. And also, what is it? No, don't worry. All right. I'll miss you. Me too. Et voilà les choix que nous avons effectués pendant cet épisode. Donc, on a coupé le bras de Lee. Alors, il faut savoir en fait que la plupart des gens qui ont vu la série ou qui ont lu le comic savent que généralement, quand la coupure est extrêmement récente, couper le membre qui a été attaqué, mordu en tout cas, permet d'éviter de se transformer directement. C'est-à-dire que si on meurt, forcément, on se transforme, c'est le principe. Mais disons que cela permet au moins d'éviter de mourir des suites de la morsure. Ensuite, Lost Temper, vous et 27% des joueurs ont gentiment argumenté, on va dire ça, avec Kenny. Est-ce qu'on aurait pu attraper la statue et se battre, à mon avis? J'ai jamais fait, parce que j'ai pas eu la force de le faire, on va dire ça comme ça. Mais bon,
Voilà, on avait la possibilité de le laisser se passer en fait. Comme je l'ai fait. C'est-à-dire qu'on a pu prendre la statue et essayer de l'attaquer. Disarmed gave up a weapon. Voilà, vous et 58% des joueurs. On a décidé en fait de savoir si on allait rester et donner des munitions pour compter pour. En fait, ça correspond à Kenny et à Ben, ça. En fait, il faut savoir que à la base, Ben n'a qu'une seule. Enfin, Kenny, pardon, n'a qu'une seule balle. Et si jamais vous refusez de partir, vous refusez aussi de lui donner des munitions. C'est-à-dire qu'il va vous pousser derrière la grille. Et vous enfermez derrière elle. Voilà. Donc du coup, vous n'aurez pas eu le temps de lui donner des munitions. Donc finalement, il va abattre Ben. Et lui, il n'aura pas de balle pour lui. Donc il va se faire dévorer, attaquer, etc. Donc c'est pour ça que j'ai préféré accepter de partir et lui donner les munitions. Ça me semblait plus logique comme ça. Après, c'est son choix. Hein. S'il veut mourir, tant pis pour lui. Je ne peux pas toujours sauver les gens non plus. 56% des joueurs. They don't kill the stranger. Oui, alors nous avions la possibilité de tuer directement nous-mêmes le. L'étranger comme il l'appelle dans cet épisode là et finalement moi c'est pour ça j'ai fait exprès de ne pas l'étrangler parce que on aurait pu juste le crever peut-être je sais pas c'est comme ça que j'ai vu les choses donc je sais très bien ce qui se passe quand je filme le jeu parce que j'ai déjà fait l'épisode plusieurs fois mais j'ai fait le choix que j'ai fait au moment enfin que j'ai ouais la j'ai pris la même décision que celle que j'ai prise quand nous étions, enfin quand j'ai fait le jeu plutôt la première fois. Voilà, c'est juste une question de respecter un petit peu mes premiers choix. Généralement, vous voyez les premiers choix que j'ai faits. Vous êtes bien le seul qui a eu une différence vis-à-vis de ce que j'ai décidé la première fois que j'ai fait cet épisode-là. C'était vis-à-vis de laisser ou non Kenny dans cette petite ruelle avec Ben. C'est la seule chose que j'ai changé généralement. Hein. J'ai vraiment essayé de suivre les premiers choix que j'avais faits lorsque j'ai fait les épisodes pour la première fois. Donc je pense aussi que si vous décidez de laisser votre couteau, parce que vous pouvez essayer de le garder aussi, sur la table, vous pouvez demander à Clémentine de l'attraper à la place de la bouteille et de frapper finalement l'étranger avec. Hein. Et goodbye. Est-ce qu'on a décidé que Lee... Voilà, on a décidé que Lee ne tournerait pas, c'est-à-dire Lee ne deviendrait pas un rôdeur. On a préféré l'abattre plus tôt. Nous allons maintenant avoir un petit récapitulatif de tout ce que nous avons pu vivre vis-à-vis des différents joueurs, enfin des différents NPNJ plutôt, c'est même pas des joueurs. Donc c'est tout en anglais par contre. Vous avez défendu son fils dans l'épicerie, on va dire, drugstore, je crois vraiment c'est ça. Nous l'avons calmé là, parce qu'il ignorait, enfin il voulait pas faire face à la décadence. Son fils, c'est pas Fate. Je traduis un petit peu aléatoirement, comme on dit, ce que je connais pas exactement. Je suis pas très très bon en anglais. Disons que j'arrive à traduire à ma façon. Donc nous avons tué son fils, donc forcément il n'avait pas à le faire, donc c'était un bon service. Voilà, il est mort. Il a été perdu en essayant de sauver Ben. Donc nous avons trouvé de l'eau pour Duck, quand il en avait besoin, vis-à-vis de Kaja. Elle s'est tuée lorsqu'il a fallu faire face à la mort de son fils. Alors, nous lui avons fait confiance, ensuite quand on parle de Larry, hein, le père de Lily, nous lui avons fait confiance lorsqu'il a fallu lui donner la hache après sa vendetta. Malgré sa vendetta, par contre, pardon. Parce qu'on aurait très bien pu donner la hache à Mark. Nous avons essayé de le sauver quand il a eu son attaque cardiaque. Et il est mort, bien sûr, dans la chambre froide lorsque nous étions chez les St. John's. Ensuite, Lily... Nous l'avons pas vraiment. Si si vous you back it up when you place. Je sais pas trop ce que ça veut dire you back it up. Je crois que c'est on l'a cru lorsqu'elle a dit que des munitions, enfin pas des munitions, on va dire des comment on peut appeler ça. Bref, de l'équipement était manquant quoi, les médicaments étaient manquants, donc du coup on l'a cru quand elle disait que quelqu'un les avait volés. Là ils disent qu'il a volé le camping-car forcément et qu'elle n'a jamais été vue. Après, il faut savoir en fait que Lily. Ah, je peux pas vous le dire, je ferai une vidéo à part, je pense, parce que j'en ai déjà raconté là beaucoup trop dans l'épisode, alors que certains voudraient éviter de se spoiler le comics ou la série. Donc du coup, je ferai peut-être une vidéo à part pour expliquer si on revoit certains personnages par la suite. You bonded with him over US history. Ok, donc du coup, nous avons parlé de lui avec... Enfin, nous avons parlé avec Omid de l'histoire des États-Unis. Hein, je vous rappelle la guerre de sécession, etc. C'est lui que nous avons aidé à monter dans le train et non pas Krista. À savoir que les deux survivent, hein, quoi qu'il arrive. Après, nous avons été séparés lorsque nous avons passé le panneau. Hein, lorsque j'ai essayé de traverser. Ensuite, nous avons défendu Ben lorsqu'il était accusé d'avoir volé les munitions, mais les médicaments. Nous avons sauvé Ben lorsqu'il était à Crawford, hein, lorsqu'il nous a demandé de le laisser mourir.
Donc il est mort dans une allée de savana, hein, forcément, puisqu'il s'était empalé sur le balcon. Nous lui avons demandé d'aider à trouver Clémentine. Ensuite, Carly, you trusted her with your past. Donc, en gros, nous lui avons fait confiance alors qu'elle savait ce que nous avions fait par le passé. Nous avons sauvé sa vie contre celle d'un autre. Hein, je vous rappelle que nous avions le choix entre Doug et Carly. Elle a été tuée par Lily, forcément. Et nous avons été d'accord avec elle du fait de parler de notre passé. Hein. Désolé, je commence à avoir mal à la... J'ai vraiment mal à la gorge, donc si ma voix est bizarre, faut pas s'étonner. Nous l'avons rencontré donc Krista, bien sûr. Hein, je passe à la suivante. Nous l'avons rencontré dans la pire des journées que nous avons pu passer. Celle, bien sûr, où Doug et qui d'autres Katja se sont tués, mais il y en a eu d'autres avant. Hein. Carly, bien sûr. Nous lui avons révélé qu'on avait été mordu. Nous lui avons donné rendez-vous au train, à la station de train. Ouais, au train, en fait, à la station. Nous lui avons demandé de prendre soin de Clémentine, à savoir que nous pouvons leur demander aussi, bien sûr, de lui trouver une famille. C'est au choix. Mais bon, j'ai plus confiance en eux qu'en une nouvelle famille. Voilà, je préfère voir les choses comme ça. Et je me suis prêt à parier qu'elle est enceinte ou quelque chose dans le genre. Mais bon, on verra ça plus tard. Donc, nous étions avec Doug. Doug, l'avant-dernier personnage, lorsque nous avons trouvé notre frère qui était écrasé par l'un des poteaux électriques. Et il est mort, bien sûr, lorsque nous avions dû faire le choix entre Carly et lui. Ensuite, Doug, nous l'avons aidé dans la ferme, hein, à ne pas mourir. Nous avons fait le choix entre Sean et lui, à savoir que nous avons préféré sauver Doug, du coup. Nous l'avons protégé lorsque Larry l'accuse d'avoir été mordu dans l'épicerie. Ensuite, nous l'avons tué avant qu'il ne puisse se transformer, forcément, et nous l'avons aidé, nous aider à su, enfin, nous l'avons laissé nous aider à résoudre le mystère qui entourait la disparition des médicaments. Et voilà donc le dernier générique. Bref, pour faire un petit peu le point sur ce jeu-là, j'avoue que ça m'a beaucoup plu, que ça change un petit peu des autres jeux. On est souvent pris à partie pour faire des choix, mais pas de cette manière-là. C'est assez rare, je trouve, dans les jeux vidéo aujourd'hui que l'on ressente plus de choses grâce au dialogue que par le gameplay. Hein, c'est-à-dire que forcément, on fait pas grand-chose, ça reste un point and click, après tout. Enfin, un point and click qui a été amélioré. C'est-à-dire qu'ils ont fait bien mieux qu'un point and click de base. Sauf d'ailleurs qu'ils ont réussi à faire de beaux efforts à ce niveau-là. Ils ne sont pas restés sur le principe du point and click de base, ils ont réussi à l'améliorer, le pousser plus loin. J'avoue que ça, c'est le genre de chose qui n'est pas forcément très simple, et ils ont réussi à merveille à rendre le jeu intéressant. Donc malgré le fait que ce soit découpé en 5 épisodes, bah, ça passe plutôt bien au niveau de l'histoire. Après, je suis un peu déçu de voir que justement l'histoire ne change pas en fonction de nos décisions, mais s'adapte à nos décisions. C'est-à-dire que l'histoire reste la même. Hein, quand vous décidez de vous couper le bras, le laisser, hein, vous avez bien vu, on meurt. C'est pareil. Il y a beaucoup d'événements qui ne vont pas changer en fonction de vos choix, mais du coup j'en attends énormément vis-à-vis de la saison 2, puisque Telltale Games a déjà annoncé qu'il y aurait une deuxième saison. J'espère qu'on pourra recroiser Clémentine. Reste à savoir ce qui va lui arriver. Hein, parce que bon, je vous laisse imaginer qu'il y a quelque chose qui va se passer après le générique, quelque chose que... Non, je dis rien tout de suite. Vous verrez ça après. Hein, donc oui, c'est un jeu qui m'a beaucoup touché. Alors je vous avoue que la première fois que j'ai vu la fin, j'ai failli en pleurer, à peu de choses près. Je suis pas trop du genre à me laisser aller, ça me travaille beaucoup, mais disons que je me laisse pleurer que lorsque j'en ai vraiment pris la décision. Mais j'avoue que c'était pas loin. Hein. Je trouve vraiment qu'ils ont réussi à rendre la chose impressionnante à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est émotionnellement parlant important. Hein, on ressent bien les choses, on s'est très attaché au personnage, donc forcément ce moment-là est très particulier à vivre. D'ailleurs. Et le temps que je dis d'ailleurs, j'ai oublié ce que je voulais raconter. Je bois un coup pour essayer d'épargner un petit peu ma gorge. Désolé pour la petite coupure encore une fois. Du coup, qu'est-ce que je voulais raconter? Ah si, oui, je pense que la plupart d'entre vous n'ont pas oublié le concept de base de l'auteur Rick Kirkman. Je sais plus comment il est. Non, c'est Rick, c'est le personnage de base. Je ne me souviens jamais du nom de l'auteur original du comics, mais... Rappelez-vous son concept de base, c'est que son comics raconte l'histoire d'une seule personne à partir de l'apocalypse jusqu'à sa mort.
Donc, la BD ne s'arrêtera pas normalement tant que Rick ne sera pas mort. C'est comme ça qu'elle va se terminer, point barre. Et je trouve ça sympa qu'ils aient repris le même concept vis-à-vis de ce jeu-là. Voilà. Si on connaît le principe de création de base, ah, ça va pas tarder à être la fin. Et bon, c'est d'ores et déjà au début de l'aventure que Lee va mourir. Hein, puisque c'est le principe de base, le héros que l'on incarne doit mourir. Et là, je vais me taire. Les bigoudis, quoi. Ils ont coupé pile à ce moment-là. On a passé les 5 épisodes à protéger Clémentine à peu de choses près, et, excusez-moi pour le dérapage, on se retrouve à voir cette fin-là. Je trouve ça horrible, psychologiquement parlant, de savoir qu'elle se retrouve face peut-être à deux inconnus. On sait pas si c'est Krista et Omid, on sait juste qu'il y a deux ombres. Après, c'est vrai que leur démarche y ressemble beaucoup. Hein. Enfin, la démarche des deux ombres ressemble beaucoup à celle de Krista et Omid, mais est-ce que c'est les mêmes personnages, hein? Avoir la tête qu'elle fait, est-ce que c'est vraiment ça qui se passe? Est-ce qu'elle est en train de les retrouver? Je me suis dit, enfin, dans ma tête, je me dis, mais écoutez les mecs, si jamais elle avait reconnu tout de suite Krista et Omid, elle aurait fait un sourire quand on la revoit en face comme ça. Or, ce n'est pas le cas. Elle semble complètement apeurée. Donc, qu'est-ce qui nous attend vis-à-vis de ça? Et c'est ça qui me fait stresser. Je me dis, mais on a passé tout notre temps à la protéger. Me dites pas que ça termine comme ça. C'est pas possible. Elle va pas crever, elle aussi. Elle va pas tomber sur des couillons, quoi. C'est pas... Non, ça me plairait pas, quoi. Donc, bon, du coup, c'est vrai que ça m'a un peu frustré, cette fin-là. Mais encore une fois, le jeu est incroyable. Enfin, je trouve vraiment que c'est une réussite parce que ça respecte totalement l'intention de base de l'auteur. Enfin, après, bien sûr, c'est mon point de vue, hein, bien sûr. Et ce n'est pas du tout désagréable à jouer, contrairement à ce que je pensais à la base. J'avais un peu peur que ce soit assez embêtant. Mais ils ont tellement bien construit l'histoire, et tellement bien apporté une personnalité propre à chacun des personnages, que on s'y attache et on vit les choses d'une certaine manière. C'est assez particulier et vraiment très agréable comme aventure. Donc je suis très pressé de voir à quoi va ressembler la saison 2. J'espère qu'on reverra Clémentine. Après, ça va faire un peu bizarre de voir un autre personnage que Lee, mais franchement, j'espère que ça va être intéressant. J'espère que ce sera pas non plus Clémentine, ou Clémentine, appelez-la comme vous le souhaitez, hein, qui sera la protagoniste, puisque comme je l'expliquais plus tôt, si c'est le cas, il y a de très très grandes chances pour qu'elle meure à la fin. Hein, si c'est encore aussi respectueux du comics que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Hein, je vous rappelle encore une fois, le comics, à mon avis, hein, mais je pense que c'est comme ça, puisque c'est la règle de base, ne s'arrêtera que lorsque Rick mourra. J'avoue que je n'ai pas encore lu les derniers tomes, j'ai un peu de retard. Et bon, voilà, au moins comme ça, vous êtes prévenus. On verra bien. Quelqu'un m'avait posé la question de savoir comment allait se terminer la série. Je pense qu'elle va se terminer comme le... Quoique non, peut-être pas, parce que s'ils peuvent raconter après l'histoire d'un autre personnage sur la série, c'est pas problématique, hein, je pense. Faire une saison, pas 2, mais The Walking Dead 2, par exemple, tu vois ce que je veux dire. Hein. Par exemple, on pourrait faire The Walking Dead 2 avec le fils de Rick. Ça pourrait être marrant. Enfin, je sais pas, parce que moi, comme je vous dis, j'ai pas lu les épisodes suivants. Enfin, les derniers tomes. Donc, il est possible qu'il soit passé quelque chose. Mais bon, ça m'étonnerait beaucoup. Bref, c'est vrai que donc, d'ailleurs, on peut faire un sacré rapprochement entre le comics avec le fils de Rick, dont j'ai déjà oublié le nom, Carl. Voilà, c'est Carl. Et cet épisode-là, où justement, c'est un petit peu le gosse qui prend le... qui a le plus de puissance, qui n'est pas plus... qui a plus de facilité, on va dire, à survivre que les adultes.
Donc c'est vrai que c'est assez bizarre qu'ils aient fait autant de rapprochements. En tout cas, c'est vraiment, encore une fois, ce jeu est une réussite. Et généralement, il est pas cher. Vous pouvez même se trouver moins cher sur d'autres sites, hein, Lanky Store ou acheter que les CD, genre de site. Hein. Vous achetez juste la clé, vous la rentrez sur Steam ou sur un autre système, et vous pourrez directement avoir accès au jeu. Généralement, il coûte dans les 10€ à peu près à ce niveau, sur ces sites-là. Donc si vous voulez avoir les 5 épisodes, c'est environ 10€, sinon c'est 25 si vous partez au-dessus. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette frappe solution vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouvera quant à nous pour la saison 2 déjà, et bien sûr d'autres vidéos, d'autres jeux, hein. Comme vous le savez, comme d'habitude, on va pas changer ces choses-là. Donc, comme je disais, en ce qui me concerne, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, un grand merci à vous tous, je vous souhaite tout plein de bonheur, et à ciao tout le monde, salut! Hey Pepep, je te prie de m'accorder quelques secondes supplémentaires, s'il te plaît. Sache, à titre d'information, que tu peux suivre mon actualité, voire me contacter par le biais de ma page Facebook, à savoir que cela nécessite ni compte, ni like. Tu peux aussi me retrouver sur ma page Twitter, m'écrire à mon adresse mail, ou tout simplement visiter frappestesjeux.fr et mon blog. De même, si tu souhaites nous soutenir, tu peux regarder d'autres vidéos, les partager, acheter de nos goodies, ou faire un don. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté, je te souhaite une bonne fin de journée, et j'espère à une prochaine fois. Salut!